Occasioni come queste sono fondamentali per costruire delle concrete partnership strategiche necessarie a costruire il cammino dello sviluppo sostenibile. Initialement, les différents acteurs qui font partie de ces projets ne voient pas les projets de la même manière. Aujourd'hui, j'ai vu qu'avec des événements comme celui-ci, cela peut permettre aux différents acteurs de rapprocher leurs points de vue et qu'à la fin, après peut-être encore un événement, nous pourrons arriver à une vision un petit peu plus commune. La sfida è quella di avere un approccio comune e sistemico per la sostenibilità del settore in Europa. Ce serait sans doute l'image du secteur et notamment les préjugés dont il souffre. On a souvent l'image uniquement d'un secteur de luxe, ce qui est le cas. Ce qu'on oublie trop souvent, ce sont les retombées économiques positives qu'il y a pour toute la population côtière. Il settore yachting sta facendo veramente moltissimo nell'adozione delle cosiddette Naval Green Technology. Abbiamo bisogno senz'altro di un quadro strategico di riferimento costruito la business community insieme al livello della strategia politica. A me gustaría que la Comisión Europea, la DGMARM, tratara el tema realmente de cómo tener datos sobre la industria náutica y de cómo tener un mercado interior armonizado y de cómo conseguir que sea un mercado lo más digitalizado posible, porque el nuevo consumidor que vamos a tener es digital. Alors, le message le plus important que je pourrais adresser, c'est qu'ils approchent les autorités nationales, surtout des pays qui sont relativement importants dans ces secteurs, pour que les autorités nationales se mettent d'accord entre elles sur une vision commune du secteur et de l'activité, et qu'ensuite il remonte ça au niveau européen, qui s'est ravi effectivement de suivre ce que les États membres vont décider à leur niveau.